coup là on vient d'arriver en Bulgarie, on a loué la voiture. On va aller prendre le petit déj. Il est tôt, petit déj. Ensuite on va voir les amateurs pour la première fois qui vont nous faire une petite présentation, etc. Pour le camp quoi, pourquoi ils sont là, leur motivation, etc. Et ensuite entraînement, je vais m'entraîner et puis voilà c'est tout. Hein. On se dit à tout à l'heure. Bon, c'est l'heure du petit déj. On a un poteau qui est venu gratter. Jen ma gueule. Ici, ça va prendre des bons petits déj poulet, riz dès le matin. Réunion des amateurs ce matin, 10h, je vais faire ma sélection. Je commencerai ma sélection pour le QA. En retard mec. Ah on arrive à même temps. Regardez votre coach, il est déjà en retard. C'est l'équipe gagnante ça. Ah non. On n'est pas en retard nous. Ça va, je vais prendre des infos sur comment sélectionner ces joueurs avec Guillaume. Je vois qu'il y a une petite coalition contre moi là. Non, il n'y a pas de coalition. Très bien, le meilleur très bien gars. Les gars. Le meilleur gars. On doit faire 50 pompes en tout. Et 75 tractions. On a fini. Bravo, c'est plutôt c'est bien fait, vous avez mis tous l'envie, l'intensité qu'il fallait. C'était pas trop dégueulasse en plus dans l'ensemble. Tous ceux qu'on est parti corriger avec Nabil, essayez d'enregistrer les informations et puis comme ça vous allez progresser petit à petit. Vous allez partir sur 10 jours avec quand même pas mal de volume d'entraînement. Pour certains, vous n'avez pas forcément l'habitude des entraînements bi-quotidiens. Donc je compte sur vous aussi pour être carré en ce qui concerne le sommeil et la nutrition. C'est aussi important que l'entraînement. Là, vous allez vous entraîner que ce soir. La meilleure des stratégies, là, c'est de rentrer, de manger propre, faire une vraie sieste, une petite collation, et ensuite aller s'entraîner, d'accord? Et je compte sur vous pour faire ça tous les jours. Sinon, il y en a qui vont craquer, il y en a qui vont vous blesser, etc. Si jamais il y a des gros niveaux de fatigue, des petits bobos, etc. qui surviennent, vous venez nous voir avec Nabil, avec Guillaume, et on adaptera les contenus de vos entraînements respectifs. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, bravo à tous. On s'est fait bloquer la voiture, on n'a pas payé. C'est l'heure de la coupe de Vush. J'ai une nouvelle tondeuse, Babyliss Pro. Je vous en dirai plus tard. Avant, j'avais Noël. J'ai trahi la team Noël. Et je suis passé chez Babyliss Pro sur les conseils d'un coiffeur. Validé de ouf. Babyliss Pro. On m'a cassé la Noël. Quand j'ai pris l'avion, je l'ai mis là. Ils l'ont cassé. Quand je suis allé au Brésil, j'ai racheté ça en rentrant et franchement, je vous montre le résultat. Carré. Le tuto est toujours disponible sur mon Insta. Les gars, là on est à J3 du stage en Bulgarie. Aujourd'hui c'est jour de compétition pour Morgan, un combat en grappling contre un Bulgare, un super fight de 10 minutes. C'est un combat à la soumission. Donc le gagnant c'est celui qui soumet, les règles sont simples. Ce matin on a fait un peu de préparation physique parce que l'objectif majeur c'est clairement pas le combat de cet après-midi, même si c'est un bel event, bien organisé, etc. Morgan combat en dernier, donc il y a une dizaine de combats avant lui. Il a l'habitude, on a bien 2 heures devant nous, il va se reposer, il va rester bien concentré. Ensuite on va faire un bon warm-up et puis on va aller au combat, voilà comme d'hab.
il m'a surpris, je pensais pas qu'il serait aussi relou à ramener au sol. Il voulait pas tomber, il voulait pas rester au sol, surtout il voulait pas faire du sol en fait. Je sais pas si ceux qui regardent comprennent, mais il voulait pas faire du sol, il voulait pas accepter le sol. Du coup il se relevait, après on aurait fait que de la lutte pendant 10 minutes et on aurait gagné au takedown ou au truc comme ça. Je pense que c'était sa stratégie. Moi je voulais faire du sol. Bon, je l'ai eu quand il m'a mis un takedown, je l'ai eu dans la guillotine. C'était un bon combat tout de suite. Mais c'est pas dans 2 heures, il pourra plus utiliser son téléphone. Ah, bâtard! Gros, on va dormir à l'hôtel ce soir s'il n'y a pas d'électricité, t'es fou. Demain, on fait comment si on peut pas charger les trucs? On se rend pas compte, mais dehors, à chaque fois que je regarde par la fenêtre, il y a des gens, ils se rajoutent en plus. Ah, il y a des... Oh lolo! Ah, ça pue là! Hein. Ça sent pas bon ce tissu! Ah, ça sent pas bon du tout! Hein. Ah merde! Regarde par l'autre fenêtre! Est-ce que c'est pas le moment de demander un remboursement? Ah, mais c'est un problème bizarre ça! Pourquoi il y a de l'eau? Ah ouais! En plus, il va se tirer le mec de l'accueil comme t'as dit! Et il va nous laisser comme ça en poule, genre! Ouais, débrouillez-vous les crèmes! Vous aurez aucune nouvelle! Bon là! On est dans le lieu du prochain teaser. Quand vous verrez cette vidéo, je sais pas s'il sera déjà sorti, peut-être. Là, on a dû monter là sur le toit, mais j'ai pas filmé parce qu'on était occupé. Je suis rentré par cette petite trappe d'échelle montée pour aller sur le toit. Là où on est ici, on a dû monter aussi en courte échelle. Par ici, dans ce trou. Et là, on est tout en haut d'un immeuble désaffecté, abandonné, bête de vue. Là, il y a le soleil qui se couchait là-bas. Là, on vous a fait une dinguerie. T'es mal les couleurs. Oh là là, la vidéo qui arrive. Soyez prêts. C'est bon, on est sauvé. Et de retour. Tout va bien. On a juste pas eu d'électricité de toute l'après-midi. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. 3 belles années ensemble. Une très grosse évolution. Donc Morgan, il est vrai que quand on a commencé, il était dans une période un petit peu particulière où il y avait eu des défaites, des mauvaises défaites, peut-être des mauvais choix, etc. C'était une période un petit peu instable. À ce moment-là, je crois qu'il a vraiment décidé de se structurer. Donc, choix de manager, de prépa physique et tout ce qui va avec. Avec aujourd'hui le résultat qu'on connaît, une évolution incroyable. Et aujourd'hui, on récolte un petit peu les fruits du travail. Alors en fait, au début, le camp, on l'a créé juste pour réunir les combattants professionnels de la BTT. Et on a eu beaucoup de demandes au niveau des autres teams professionnelles, savoir si elles pouvaient se greffer au camp de la BTT. Donc on a accepté. Et puis à partir de l'année dernière, donc c'est cette année la deuxième année, où on intègre aussi les amateurs suite à de nombreuses demandes qu'on a eues. Donc aujourd'hui, sur 60 personnes, la moitié sont des amateurs et ils viennent tous dans le but de signer un contrat professionnel. En fait, on voulait vraiment rester dans un cadre compétitif, vraiment que ça reste compétitif. Donc c'est cool, on est entre nous, on s'entend bien, on passe du bon temps ensemble, mais ils sont tous quand même là pour performer. Donc du coup, on a décidé de créer une espèce de compétition. Et cette année, on a voulu faire quelque chose dans le style du tough. Et on avait l'embarras du choix au niveau des combattants de la BTT, mais on a pris 2 des combattants les plus iconiques, Morgan Charrière et Amin Alizon. Morgan, c'est la 3e année qu'on organise le camp, c'est la 3e année qu'il vient, il vient même entre les camps. Morgan, en fait, il fait vivre tous les projets de la BTT, il a un investissement sans limite. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe pour lui, c'est juste un retour logique de son investissement. Donc, on a des gros combats à venir. Morgan a subi une décision plutôt litigieuse lors du dernier combat. Morgan, c'est un combattant très intelligent. Je sais qu'il est très revanchard. Donc en toute franchise, je ne suis pas du tout inquiet pour son prochain combat. Une grosse surprise à venir dans les prochains jours. On a déjà la date, le nom, le pourquoi à la fin. Bref, les détails à venir bientôt. Juste, on se réécoute, je demande, tu fais attention, je sais pas, tu boxes droit, bien, en ligne.
qu'il met par peur que tu... Il va essayer de rentrer fort ou faire je sais pas quoi. Il essaie de rentrer fort, tu l'attrapes direct et tu le mélanges. Love has never gone so fast. Ok, on est de retour de la Bulgarie, la plus belle ville du monde. On est à Paris avec le Doubt. Donc là, il y a des belles surprises qui arrivent. Je peux pas tout révéler, mais voilà, ça parle de public, ça parle de combat. Ça va être très, 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 très prochainement annoncé. Soyez prêts. Je vous avais dit de faire quelques petites économies. Le combat, il sera à Londres. Donc ceux qui veulent venir, vous pouvez venir. Venez même. Il faut une équipe de malades. La salle, elle va pas être grande. C'est-à-dire si on peut avoir toutes les places, ça peut être incroyable. Donc voilà, là, on s'est bien entraîné en Bulgarie. Je me suis bien entraîné au Brésil. Je suis déjà plutôt bien prêt, en pleine forme. La prépa va continuer là. Ici à Paris avec mes clubs, Team Chapakench, NR Fight Club. Merci à tous pour la force. Et on continue, la route elle continue, je me sens super bien. Je sens voilà, qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué. J'ai changé pas mal de choses. Je suis impatient de vous montrer le résultat. Voilà. En tout cas, on travaille beaucoup et il y a plein de surprises qui arrivent, que ce soit du merch, soit les combats, soit les programmes, tout. Vraiment, on a charbonné comme des ouf. C'est pour ça qu'on n'a pas été très très présent sur YouTube. Là, on est de retour. Chaque semaine, vous aurez votre petit épisode, votre petite motivation. Et c'est reparti. Let's go. Un petit mot à dire, beau gosse, pour conclure la vidéo. Nice. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ouais, venez tous.